On ne me dise pas que c'est la moto qui fait le plus de bruit, hein. Parce que on peut toujours aller dans un endroit calme et paisible. On peut jamais rien faire contre les gens qui savent pas parler mais qui font que gueuler. Et pour ça, il n'y aura jamais de radar anti-bruit ni de réelles mesures efficaces contre les cons. Alors, quand je vois ça et que je me dis que je peux pas me poser tranquille au bord de l'eau pour profiter dans le calme, je me dis... On va pas me casser les couilles parce que je fais un peu de bruit. Je m'étais emmené une petite bouteille de thé. Je voulais me boire mon petit thé à la cool au bord de l'eau. Je me suis dit, on est en semaine, il n'y aura pas autant de monde que le dimanche. Ah, tu parles. Alors ouais, bon... Quand on a un peu d'expérience en moto, on sait que, notamment dans les virages comme ça, on va un petit peu éviter le sous-régime, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se faire surprendre à un moment donné par le couple de la moto. Et c'est pour cette raison qu'on entame les virages dans une plage de régime moteur où le couple est maximal ou presque maximal. Ensuite, on laisse un filet de gaz et en sortie du virage, on accélère un peu. Alors forcément, quand on parle de technique de conduite de moto et de bruit, on se rend compte que pour la sécurité du motard, en fait, la législation n'est pas forcément en phase. Et effectivement, si on entend toujours l'argument « quand on est à moto, il vaut mieux se faire entendre, c'est pour notre sécurité », ouais, c'est vrai. Mais bon, même si ça m'arrange pas, je suis bien forcé de le reconnaître que c'est un argument de relative mauvaise foi quand même. Puisque vous voyez là, je pourrais très bien être sur une moto électrique, là en ville, ça changerait pas grand chose. La voiture devant, elle m'entendrait pas du tout, mais elle serait pas moins consciente de ma présence, ou plus consciente de ma présence. Parce que déjà, d'une part, la plupart des automobilistes en ont strictement rien à foutre de vous, et vous considèrent pas différemment que d'un autre automobiliste. Sachant que chez les automobilistes, c'est un peu la guéguerre, hein, je te laisse pas passer et tout. Quand on tombe sur quelqu'un qui est sympa et qui vous cède la priorité alors que lui-même l'avait normalement par rapport à vous, et qu'il est conscient que vous êtes en galère pour vous insérer parce que le trafic il est trop dense, bah vous êtes super content parce que, en même temps, ça arrive pas tous les jours ça. C'est la raison pour laquelle je pense pas que être plus visible parce que on fait un peu de bruit, ça va changer quelque chose. D'ailleurs, si vous êtes motard, vous savez très bien que quand vous vous mettez derrière une voiture, vous essayez de passer et qu'il ne se pousse pas, vous pouvez mettre des coups de gaz et tout, le gars, il en a rien à branler, hein. Il s'en fout, hein. Il vit sa vie, et limite, ça le fait bander que vous puissiez pas passer. Voilà, donc c'est pas non plus l'argument ultime. Après, je suis d'accord que quand on roule tranquille, vraiment cool, on n'a pas besoin d'être sur la plage maximale du couple du régime moteur ou de la puissance de la moto. Parce qu'en vrai, si on roule tranquille, on met pas maximum d'angle, on va ouvrir tranquillement les gaz comme ça, et pas comme ça. Voilà. Mais soyons honnêtes, ça fait partie du plaisir de la moto que de prendre un peu d'angle dans les virages. Il n'y a pas besoin forcément de toucher avec le genou. Hein. On veut juste mettre un peu d'angle, quoi. Normalement, sans exagérer. Et plutôt dans des virages faciles, où il n'y a pas de bosse et où on a de la visibilité. J'ai dit pas de bosse. Oh là là, on m'écoute jamais ici. Après, quand vous traversez des communes comme ça, on peut comprendre que ça peut être assez vite désagréable. D'ailleurs... D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est moi le plus sale, j'ai l'impression que les voitures là, elles foncent de ouf. Mais bon.
Ouais, ça peut être vite désagréable. Mais moi, personnellement, ce que je trouve désagréable, c'est plutôt des véhicules dont l'échappement n'est pas homologué. Par exemple, chez moi, il y a une espèce de gros bâtard qui a un quad de ouf, là. Un jour, je vais le choper et je vais lui faire la misère à ce bâtard. Parce que il passe au milieu de la nuit en faisant gueuler comme un chacal son moteur, en plein devant les habitations. Et je suis obligé d'avouer qu'il y a aussi des motards dont le pot n'est pas homologué. Et quand ils passent devant les habitations, ils en ont strictement rien à foutre des gens. Ils mettent les gaz parce qu'ils trouvent ça cool. Alors je sais pas, vous me direz si... Parce qu'ils trouvent ça cool, ils pensent qu'automatiquement tout le monde trouve ça cool et ceux qui trouvent pas ça cool sont des cons. Je me demande. Personnellement, je trouve ça cool de mettre des coups de gaz. Je trouverais ça cool limite d'avoir un échappement non homologué qui fait un max de bruit. Mais je le vivrais pas hyper bien de me faire regarder systématiquement de travers chaque fois que je mets un petit coup de gaz ou que je fais un dépassement parce que je fais trop de bruit. Et là, vous voyez, j'essaye de prendre les virages à la cool, de m'amuser en respectant la limitation. Eh, pas moyen. C'est cool, hein, je dis pas. Mais je vais pas en garder un souvenir impérissable. Bon, en même temps, je suis le genre de motard qui a du mal à faire confiance à ses pneus l'hiver quand je me dis c'est pas possible qu'il soit chaud, là, avec la température qu'il fait. Il fait 5 degrés. Et aussi, il y a les animaux. Franchement, ça se respecte, les animaux, hein. Ce sont des vies. Et je m'en fous de ceux qui comprennent pas et tout ça. Moi, j'aime les animaux. C'est vivant, c'est gentil. Enfin non, la plupart, ils sont gentils. Et ils n'entendent pas comme vous et moi. Donc quand vous passez à côté d'un chien, ou d'un chat, ou ce que vous voulez, et que vous mettez un gros coup de gaz, c'est comme si on vous collait l'oreille au klaxon d'un train. Ça fait 120 décibels, donc je vous laisse imaginer. Et qu'on mettait un gros coup de klaxon en disant « Ouais, c'est pour rire, c'est pas grave. » Une fois, il suffit d'une fois, et vous pouvez avoir des dégâts aux oreilles. Alors bon, évidemment, je suis pas ravi parce que j'ai cru observer que les normes elles se situaient aux alentours des 80 et quelques décibels, genre 82, 85 décibels, je sais plus exactement. Et donc je me dis que c'est pas super cohérent par rapport au bruit qui est homologué sur les véhicules d'origine. Je pense notamment à nos amis qui conduisent des Harley Davidson, des Buell. Alors je veux bien que quand on a une ER6N, c'est facile à respecter, 4 cylindres. A pas besoin de monter à 12 000 tours en ville tout le temps. Mais bon, quand même, il y a toute une catégorie de motos pour lesquelles ça va être un peu plus compliqué pour les autres. Un bicylindre, bah, fatalement, c'est des plus grosses gamelles pour une cylindrée équivalente. Ça fait un peu plus de bruit, déjà à bas régime. Alors, c'est une mesure qui vise pas normalement uniquement les motos ou les deux roues motorisées. Hein. C'est une mesure qui vise tout le monde. Bon, on peut imaginer facilement que les mobylettes, ils ont un petit peu du souci à se faire. Je sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais moi, je vois que dalle. À part une putain de boule de feu. Voilà, là c'est bien. J'avais la rétine qui était en train de cramer. Ah voilà, donc c'est taper 135 euros parce qu'on fait un dépassement en ville. Après, je me fais pas d'illusions. Hein. Je vous ai déjà dit quelles mesures je pense qu'il serait utile de prendre si vraiment on se préoccupait de la santé des motards. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, et d'ailleurs je le porte aujourd'hui, hein, le gilet airbag Alpine Star Tech R5. Voilà, écoute, 649,95 €. Alors la vendeuse, elle m'a fait un petit 5%. Je vais pas cracher dessus, mais bon, ça reste quand même une somme. Et tout le monde ne peut pas se permettre de la dépenser. Moi, j'ai la chance de pouvoir me payer ce genre d'équipement. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Je pense déjà pas que ce soit le cas de tout le monde de pouvoir se payer une moto avec les équipements dernier cri, ABS, cornering ABS, anti-patinage, que sais-je encore. L'anti-wheeling, on est d'accord, c'est de la merde, personne n'en veut. Hein. Moi, je dis ça, j'en fais des wheelings. Les seuls wheelings que j'ai fait dans ma vie, j'ai pas fait exprès. Ah bah quoi, j'avoue, hein. Pas un stunter, hein. J'ai jamais le genou qui a frotté par terre. Ça veut pas dire que, déjà avec la SV, dans l'école,
dans les Vosges, Mont-Saint-Odile et compagnie. Il y a déjà des mecs en R1 qui ont essayé de me dire allez bisous, hein. Bah, ils m'ont pas lâché. Hein. Voilà. J'avais pas besoin de faire le dingo. Après, avec celle-là, ça va être un peu différent. Hein. Je pense pas que j'aurai le même potentiel de vitesse de passage en courbe qu'avec la SV. Parce que j'ai déjà remarqué, hein, j'ai remarqué tout de suite, hein, ça frotte très très vite hein, ces cale-pieds ici. Hein. Alors qu'avec la SV, j'ai jamais frotté les cale-pieds. Après, c'est vrai qu'avec la SV, quand on a une position de conduite classique, j'ai bien déhanché un petit peu. Là, avec celle-là, on peut, mais c'est ultra limite. Hein. Et un petit peu, genre, vous allez jamais frotter le genou, mais c'est impossible. Mais bon, on s'égare. Nous parlions du bruit des motos, et notamment en milieu urbain. Alors si en milieu urbain, je peux comprendre la mesure, parce que je vois trop de motards qui font les kékés, ils sont tellement contents, moi aussi je suis content, mais qu'ils abusent carrément. Voilà, comme là il y a un petit toutou, je mets un coup de gaz, je suis un gros bâtard, si je fais ça. Et ils abusent carrément et sans vergogne. Et ben, autant je trouve que les seuils qui sont mis, c'est pas réalisable. Bah oui, le mec qui va passer en Harley, suffit qu'il accélère, juste normalement, le gars il va se faire flasher, hein. C'est pas possible. Mais c'est n'importe quoi ça. Il a acheté une moto. Il la laisse 100% d'origine, full homologué et tout. Il respecte la limitation de vitesse, il fait pas d'usage abusif du régime moteur en milieu urbain. Il va se retrouver à se taper une prune de 135 balles, c'est limite du racisme. Alors que le gars qui roule comme un gros bâtard, il verra le panneau, juste il va y aller tout mollo quoi. Alors vous allez dire, le mec en Harley, il a qu'à débrayer. Ouais, il a qu'à débrayer, ouais. Et vas-y, vas-y, je vais rouler au point mort là. Disons qu'il y a un radar là-bas, au panneau interdiction stationnée. Donc là, faut que je sois au point mort. Ah, ça va être compliqué. Hein. Donc là, je débraye. Peut-être que j'ai passé la seconde parce que sinon ça va brouter. Voilà, disons que je suis assez loin. Je pourrais y aller, ouais. C'est pas chiant du tout. Je maintiens. C'est du racisme envers les motos qui font du bruit d'origine. C'est un peu facile d'oublier qu'il y a différents types de motos, différents types de moteurs et des homologations qui sont ce qu'elles sont. Hein. C'est pas nous qui les faisons, c'est eux. Voilà. Ils savent plus quoi inventer pour nous piquer du fric, hein, franchement. Ouais, c'est comme le permis A2, la passerelle, vers le A. J'avais discuté avec un gars sur Facebook, il était tout content parce qu'il avait fait sa passerelle. Il est allé là-bas, ça a duré 10 minutes, allez, c'était bon, allez, bisous. Il a payé, il a eu sa passerelle. Et alors, je lui ai dit, bon, ben, c'est pas très pro de la part de la moto-école. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'on a à foutre? De toute façon, ça sert à rien, moi, je maîtrise bien ma moto, blablabla. De toute façon, ça sert à rien. Ah ben, si, ça sert à vous mettre des taxes. Alors, je dis pas, c'est bien pour les moto-écoles. Mais franchement, tout tourne autour de ça. Je vais pas faire une vidéo où je vais exposer ma science à deux balles, là, mes théories de comptoir. J'aimerais mieux savoir ce que vous, vous en pensez. Et je pense que ce qui intéresserait les gens aussi, ce serait de pouvoir lire les commentaires et que vous puissiez débattre dans l'espace commentaire aussi sur ce sujet. Parce que les radars méduses, il va falloir s'y habituer les gars. Toutes les communes vont en vouloir un, parce que vous allez pas me dire que vous connaissez pas une commune où vous entendez pas systématiquement le bruit des mobilettes complètement strident et absolument insupportable. Voilà, donc c'est clair que je me fais pas d'illusions là-dessus, ça va être la merde les gars. Déjà les radars embarqués dans les voitures, la grosse merde. Hein. Avant au moins, quand tu sortais et que tu roulais un peu fort, t'avais la quasi-certitude de rentrer chez toi si tu t'étais pas fait arrêter, d'être tranquille et de dormir sur tes deux oreilles. Aujourd'hui avec ce type de radar de merde là, bah, pendant 15 jours quand t'as fait un peu le con, bah, quand tu vas à la boîte aux lettres, t'as la petite goutte de sueur là, t'es pas bien. Oh putain, je suis arrivé en plein dedans parce que je regarde dans le rond-point. Voilà alors, contre les radars anti-bruit, on n'a pas 10 000 solutions que de faire attention ou de barrer dimanche et jour férié. Ok. Voilà, là il y a des gens qui se promènent. Alors je vais pas là au hasard, hein. Je vais là pour vous montrer à quel point c'est clair que de rouler comme un gros connard. Alors qu'il y a des gens qui sont en mode promenade, que la route elle est étroite. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. On roule tranquille. Faut que tout le monde cohabite là sur ce type de route. Automobiliste, piéton, cycliste, motard, cyclomotoriste, trottinettiste, tout ce que vous voulez. Tout le monde doit bien cohabiter ici. Il y en a qui me diront, mauvaise langue, de toute façon, il n'y a que des vieux, ils sont déjà sourds. C'est moi qui dirais une saloperie comme ça normalement. Bah, coupe le virage aussi, je te dirai rien. Bon, par contre, si jamais il y en a un qui se pousse pas assez et qui veut me faire rouler dans la bouse là, il va se prendre un coup de gaz. Et là, vraiment,
Vous pensez que j'ai besoin de faire plus de bruit pour qu'on m'entende? Je crois pas. Ah, ça veut pas la troisième. Hein. Je suis obligé d'être en seconde. Je fais vraiment le minimum de bruit que je peux. Voilà, super. Petit coup de gaz, il était gentil là. Mais bon, vous voyez, c'est impossible que le cycliste m'entende pas. Ou alors il est vraiment sourd comme un pot le gars. Et il n'avait juste rien à branler de ma gueule. Hein. Alors ceux qui viennent en Alsace, là, le restaurant, la cour des chasseurs, tarte flambée, typique, super. Je vais me trouver un petit coin sympa, je vous le promets. Expressions that mean nothing. Dig your sadness in this bowl till you feel minor changes in your body. J'ai même un autre truc à dire à propos du bruit, c'est que dès qu'on fait du bruit, nous, on peut dire que c'est pour la sécurité, pour être visible, mais c'est nous qui entendons pas les autres. Et je préfère avoir ma sécurité entre mes mains qu'entre les mains des autres. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir sur le sujet. J'ai pas la science infuse, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on vient avec des nouvelles mesures comme ça, on dit que c'est pour le bien commun et pourtant ça fait chier tout le monde. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Ça me laisse quand même supposer que il y a un petit côté je veux ta thune derrière, hein, qui se trame. Hein. Ben, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me rendre l'appareil en mettant un petit j'aime. Ça me ferait super plaisir. En vous abonnant, parce que j'aimerais bien avoir 500 abonnés, histoire d'avoir un espace communauté sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et pourquoi pas mettre la petite cloche aussi, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Alors le feu stop, c'est une tête de mort les gars. Énorme, énorme. Voilà, sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Et maintenant, je peux... arrêtez de faire semblant d'être sage et faire du bruit comme un gros chien. Ah, je rigole, je suis pas comme ça, pas en ville. Et là, dès que je serai sorti là, sur la petite route de campagne, c'est un peu l'heure de pointe, je vais tous me les faire. Là, on peut faire du bruit. Là, on peut lâcher les chevaux.